Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Hey, salut les amis, c'est Boss62 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo tant attendue, waouh, c'est les fonds d'écran wallpaper, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en contrefous, hein, voilà, ça c'est dit. Bon, alors les wallpapers, je vais vous les présenter, j'ai fait des wallpapers, vous pourrez donc me dire, je ferai un petit système de lettres, de chiffres, de numérotés, on va dire, les wallpapers, pour que vous puissiez me dire lequel que vous voulez, et que je puisse vous l'envoyer, voilà. Tout simplement, t'as vu ça ? Donc, on commence tout de suite avec un fond d'écran Grand Theft Auto. Voilà, donc en ce moment, c'est, voilà, Grand Theft Auto 5, etc., bon... On commence à le savoir, hein. Donc là c'est un fond d'écran Grand Theft Auto avec une jolie nana donc sur la droite, des armes, des douilles, des flingues, voilà quoi. Hein. J'aime bien moi le flingue qui crache du sang, voilà. Donc là j'apprécie beaucoup. Des tas de thunes au milieu, hein. Donc un fond d'écran assez représentatif du jeu Grand Theft Auto. Et ici, on pouvait pas passer à côté du fameux fond d'écran Halo, donc Halo 4 ici, avec le Master Chief Cortana, donc les deux personnages symboliques de Halo. Donc j'ai fait ici un fond d'écran assez simple, j'ai pas voulu me casser le cul plus longtemps, hein, voilà, bon, c'est assez dit. Mais honnêtement, j'ai fait ici un fond d'écran assez simple parce que je n'avais pas d'idée en fait, voilà. Donc, ensuite, voilà, on va réchauffer un peu d'ambiance, hein, les amis. Donc, on se retrouve avec Katy Price Jordan. Donc, c'est plutôt aussi des fonds d'écran hot, sexy, voilà. Donc, on a des meufs limite à poil. On aime ça, bande de coquins. Ouais. Et des couleurs assez pimp, rose, voilà, tout ça. Ensuite, on se retrouve avec des fonds d'écran, donc League of Legends. Ça, c'est tellement logique parce que c'est un jeu que je ne joue pas, mais je fais des fonds d'écran sur League of Legends. Ah, moi, je suis vraiment logique. Hein. Non, League of Legends, j'aime bien au niveau graphique, mais sinon, ça m'attire pas énormément ce jeu. Donc là, j'ai fait un fond d'écran League of Legends, voilà. Donc avec une guerrière sur la droite, une autre sur la gauche, avec le symbole LOL au milieu. Simple et bien. On aime. Donc ici pareil, on a un autre fond d'écran League of Legends, des couleurs plutôt vert rose, et il est disponible donc ce fond d'écran avec d'autres couleurs. Donc ici on voit plutôt jaune et noir violet les couleurs. Soit dit en passant, là je viens de remarquer un truc, c'est que la guerrière de droite, elle a un petit côté mélange de Skyrim, Assassin's Creed, on va dire, tu sais. Au niveau de l'armure, et puis même un petit peu de Lara Croft, on dirait. Au niveau de l'armure du bas, un peu Lara Croft. L'armure du haut, un peu de Skyrim. Et au niveau des poignets, etc., les couteaux, on dirait un peu du Assassin's Creed. Enfin bon, bref, c'est mon point de vue. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec un fond d'écran Monster Energy. Donc, avec le symbole Monster Energy Cup. Une demoiselle assez assez sympa là à la gauche, des couleurs assez vives, plutôt électriques, on va dire, un vert bien électrique. Ensuite on se retrouve avec Rockstar Energy Drink comme fond d'écran, donc pareil, deux demoiselles assez charmantes sur le fond, et puis les logos de Rockstar Energy Drink. Voilà, donc ici on se retrouve avec un fond d'écran qui nous réchauffe encore une fois l'ambiance. Moins de 18, etc. Sexy love, donc pareil, des demoiselles assez charmantes, dénudées. Des cœurs, etc. Donc ça, il est disponible également en couleur rouge. Voilà. Donc couleur rouge que j'aime. Par-dessus tout, parce qu'en fait on voit là, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à l'écran, au fond d'écran précédent qui était en bleu, ici on voit plus les traits roses, et ça je trouve que voilà, je voulais le faire ressortir sur son écran, et ça a plutôt bien réussi. Et ici on se retrouve avec un fond d'écran encore sexy, donc on a une demoiselle assez charmante au milieu, et puis deux autres dans une position assez voilà quoi, hein, bande de coquins. Sur les côtés,
elle a même de la mousse. On dirait qu'elle vient de sortir du bain. Alors là, si elle me dit viens dans le bain, je viens direct. Bref. Donc ensuite, on peut pas passer à côté du fond d'écran Skyrim. Donc voilà, le jeu en ce moment auquel je joue comme un ouf. Skyrim, j'adore ça, on le sait. Donc j'ai mis donc Alduin, le dragon, le méchant, le noir, le puissant. Donc avec des flammes et les éclairs d'un tonnerre, etc. Et ici, on se retrouve avec un autre fond d'écran, donc Skyrim. Il est disponible en plusieurs couleurs, enfin, en une autre couleur également. Donc là, c'est un dragon également aussi sur la gauche avec le Dovahkiin à la droite. Les couleurs ici, c'est plus mauve, rose et puis vert. Et sur ce même fond d'écran, j'ai changé les couleurs et puis on se retrouve avec plus des couleurs cyan, magenta. Ouais, cyan, magenta, voilà. Ici, on se retrouve avec un fond d'écran assez classique, donc une voiture de sport et puis une belle demoiselle sur le côté. Donc c'est une Porsche, donc je crois que c'est la Carrera, il me semble. Couleur assez assez peps, un vert bien vert électrique. Donc la demoiselle, la charmante demoiselle, donc sur le côté, c'est Carmen Electra, donc je ne sais pas si vous connaissez. Avec sur le fond, à l'arrière, un fond violet bleu. Et voilà, c'est tout pour les fonds d'écran. J'espère que vous appréciez et que vous me demanderez des fonds d'écran. Donc pour me demander des fonds d'écran, c'est très simple. Soit dans les commentaires ou en message privé, vous me dites le numéro du fond d'écran qui vous plairait. Je vous l'envoie et c'est terminé. Voilà, donc quand même n'hésitez pas donc à mettre des commentaires, des pouces verts, ça fait plaisir parce que quand même il y a du travail derrière ces vidéos. Et également à vous abonner pour pouvoir regarder toutes mes autres vidéos. Et donc moi je vous dis à la prochaine, bye.